Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Blu-ray 4K du film A Bittersweet Life. Un film de 2005 réalisé par Kim Jin-woon avec dans les rôles principaux Lee Byung-hun, Kim Yong-sheol, Shin Min-ha et Kim Roy-ha. Donc c'est édité par The Jokers, donc il s'agit d'un digipack, donc on va regarder ça de plus près. Alors sur ce fourreau tout d'abord donc, on a une finition mate. Donc sur le recto, on a l'affiche originale du film, donc c'est parfait. Donc par contre, on a encore et toujours le même défaut, hein, imprimé en haut, donc édition collector limitée, 4K UHD plus Blu-ray. Donc le nom du réalisateur du film ici. Un peu plus bas, donc sélection officielle, Festival de Cannes. Le nom de l'acteur principal, le titre du film, donc dans sa version Director's Cut, inédite. Les logos The Jokers, Blu-ray Disc et 4K Ultra HD. Donc comme si on n'avait pas compris, hein, c'est quand même un peu surchargé à mon goût. Hein. Au verso, on retrouve donc tout le descriptif technique, hein, de l'édition. Mais j'y reviendrai ultérieurement. Donc j'ai toujours espoir, hein, qu'on ait un flyer un jour à la place, hein, comme pour les steelbooks. Et donc un joli visuel à la place. Sur la tranche, on a donc le titre du film, A Bittersweet Life, ainsi que les logos, donc toujours The Jokers, donc Blu-ray Disc, 4K Ultra HD, et donc également le nom du réalisateur. Donc à l'intérieur, on a un digipack, donc on va regarder ça de plus près également. Alors on a un joli visuel, hein, donc de l'acteur principal, avec une continuité, voilà, sur les deux faces. Donc c'est plutôt sympa. De l'autre côté, on retrouve donc le 4K ici et le Blu-ray. Donc on a deux visuels ici sans vraiment de continuité. Hein. Alors globalement, c'est une petite édition collector sans surprise. Voilà, ça fait le taf, hein, sans être extraordinaire. Voilà tout. Hein. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est mi-fig, mi-raisin. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K à partir des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est subtil, hein, mais je pense qu'on a un gain assez relatif, hein, en comparaison du Blu-ray. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs satisfaisant sans être fou. Hein. Les teintes s'avèrent plutôt nuancées. C'est beau mais pas clinquant et sans doute lié au style, hein, du film. Les noirs sont profonds et la compression solide. Bref, c'est un Blu-ray 4K correct sans plus que nous propose The Jokers. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve la masterclass de Kim Jin-woon à la Cinémathèque française, un making-of, les secrets du film, donc les décors, les musiques, les combats, l'artillerie, le design sonore, les maquillages et les effets spéciaux. 17 scènes coupées du film, le film à Cannes et enfin deux fins alternatives du film. Alors de quoi parle le film? Un chef de gang soupçonne sa petite amie Isu d'avoir une liaison avec un autre homme. Il demande à son bras droit Sunyo de la suivre avec l'ordre de les tuer tous les deux s'il les surprend ensemble. Alors j'ai découvert le film, hein, sur Canal+, il y a fort longtemps. Alors je dois avouer, hein, que je ne me souvenais plus trop du film et je ne saurais dire, hein, les différences entre la Director's Cut et la version ciné. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce film! Kim Jin-woon réalise avec A Bittersweet Life son quatrième film, une tragédie extrêmement noire et violente au cœur de la mafia coréenne à travers le destin d'un homme de main qui se voit trahi et pourchassé. La mise en scène est à la fois nerveuse et brillante, hein, visuellement c'est la perfection. Le scénario manque peut-être un peu d'épaisseur, mais c'est tellement maîtrisé de bout en bout qu'on peut aisément s'en satisfaire. Lee Byung-hun porte le film à lui tout seul, hein, il est phénoménal. Bref, A Bittersweet Life n'est peut-être pas un chef-d'œuvre. En revanche, c'est l'assurance de voir un thriller solide, peut-être plus stylé que substantiel, mais en tout cas assurément satisfaisant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.